Hi Dayan, bonjour, salam alaikum, azur nagadev, mbote, habari gani, amakuru yanyu. You guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée partout là où vous êtes, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Ouagadougou, Alger, en tout cas partout là où vous êtes, que ce soit à Kinshasa, République démocratique du Congo, Bujumbura, à Tananarive, à l'île Maurice, à Réunion, Guadeloupe, partout là où vous regardez nos vidéos. En tout cas, nous espérons que vous allez super bien, que vous vous portez très bien. Nous, ça va très bien au Québec. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo, mais aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais exprimer mes sympathies au Sénégalais, en tout cas à cause de la blessure de Sadio Mané. J'espère qu'il va se rétablir. Moi, en tout cas, je refuse qu'il soit forfait pour la Coupe du Monde. J'espère qu'il va, le staff médical va faire le nécessaire pour qu'il puisse nous revenir notre Lio Sadio Mané pour la Coupe du Monde. Donc, si votre équipe est qualifiée, en tout cas, je vous souhaite bonne chance pour les Bleus, pour toutes les équipes, en tout cas, qui sont engagées je pense que le Maroc aussi, je connais pas l'équipe, enfin, je pense que c'est le Lyon d'Atlas aussi, l'équipe du Maroc et toutes les équipes qui sont engagées, les Lyons, les indomptables du Cameroun et toutes les équipes en tout cas qui sont engagées dans la compétition. Je vous souhaite très très bonne chance et en tout cas nous espérons la bonne chose, une bonne suite pour notre cher Lyon Sadio Mané pour le retour. En tout cas, nous espérons bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo concernant l'entrée express. En tout cas, les choses s'améliorent, comme je vous avais dit dans les trois dernières vidéos que j'ai fait par rapport à l'entrée express. C'est juste pour vous encourager, pour vous dire que les choses vont bien. Non seulement le Canada a annoncé l'augmentation de nombre de personnes que le Canada va accueillir dans les trois années. Je vous rappelle, 1,5 million pour les trois années à venir. Sachant que le Canada, c'est le premier pays qui a un taux d'immigration plus élevé par rapport aux pays du G7. Donc, au Canada, c'est plus de 23% de la population, en tout cas canadienne. L'immigration représente 23%, OK? Donc, c'est vraiment un pays, pour moi, d'accueil. Et j'espère que si vous avez un rêve, vous avez un désir de venir vous établir au Canada, que ce soit au Canada ou au Canada anglophone ou au Québec, en tout cas soyez le bienvenu et c'est possible, vous pouvez y arriver. Il faut juste le rêver, il faut juste mettre tout ce qui est nécessaire en place pour pouvoir accomplir votre rêve. Vous pouvez venir étudier ici, vous pouvez venir faire travailler en tant que travailleur qualifié, vous pouvez venir aussi faire du business en tant que gens d'affaires. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de venir vous installer au Canada, de vivre l'expérience canadienne ou l'expérience québécoise. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer les résultats de tirage d'entrée express. Donc, sorti le 9 novembre, donc c'est aujourd'hui. Si vous regardez la vidéo de mai le 10, donc sachez que ce tirage a été fait aujourd'hui, aujourd'hui le 9 novembre. Donc, le nombre des invitations envoyées, c'est 4750. C'est pareil comme le 26 octobre. C'était 4750 aussi. Mais aujourd'hui, vous voyez que les points pour être qualifié, pardon, excusez-moi, ça a été diminué. Hein, donc, on est à 494, il y a deux semaines on était à 496, il y a trois semaines on était à 500, ok? Donc il y a un mois on était à 504. Donc les points de qualification sont en train d'être baissés, donc ça veut dire qu'on diminue en tout cas les exigences et cela vous montre que c'est possible. C'est sûr et certain que ça va continuer à baisser. Ça peut même, je ne sais pas, mais ça peut tomber même à 300 quelque chose. Donc, pour vous, de votre côté, votre devoir à vous, c'est de réunir tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vous qualifier, réunir les compétences nécessaires, les études, les tests linguistiques,
en tout cas pour que vous soyez qualifié, l'expérience nécessaire pour que vous soyez qualifié. Si vous avez le tout, c'est le moment de postuler, c'est le moment d'aller créer votre profil Entrée Express et de pouvoir donner tout ce qui est demandé, mettre à côté l'argent aussi, parce qu'Entrée Express, quand même, c'est un programme qui demande d'avoir un peu de sous à côté. Donc, commencez à faire des économies et pour pouvoir, en tout cas, profiter de cette offre qui est vraiment en train d'être meilleure par rapport à l'année dernière, par rapport au mois passé. En tout cas, je vous souhaite très bonne chance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer. Et aussi, sachez qu'il y a des personnes qui pourraient vous accompagner, avec qui on a fait des vidéos pour vous parler des consultants qui sont réglementés, qui peuvent vous aider en fait que vous puissiez maximiser votre chance. Allez dans les vidéos que nous avons déjà fait, vous pouvez trouver en tout cas les coordonnées de ces personnes qualifiées là. Donc, si vous êtes là pour la première fois, je vous rappelle, s'il vous plaît, de liker, de vous abonner, subscribe please, vous abonner, parce que 60% de personnes qui regardent le contenu ne sont pas abonnées. En tout cas, toi aussi, franchement, regarde, il faut que tu t'abonnes. Si tu trouves de la valeur, abonne-toi pour que beaucoup de personnes puissent avoir la chance d'avoir accès à ce contenu. Plus on est nombreux, plus les vidéos sont distribuées, plus dans le moteur de recherche, la personne pourra trouver la vidéo aussi facilement. OK? Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Pour tous les Sénégalais, en tout cas, on va prier pour que Sadio Mané soit rétabli, qu'il puisse jouer la Coupe du Monde. OK? La bonne nouvelle, c'est Entrée Express. La mauvaise nouvelle, Sadio Mané. Mais on espère qu'il va être rétabli. Et pour vous qui nous regardent, qui cherchent à venir au Canada, Entrée Express, c'est pour vous. Vous pouvez les faire. OK? Je vous souhaite une belle journée. À très, très bientôt. On se parle très prochainement. Sur ce, bye bye!